Salut les potes, bien? Non, non, en fait, j'ai pas envie. Il est parti là? Ah bien, bien. Bah c'est moi qui va faire la vidéo, hein. Y a pas de problème vu qu'il est parti, c'est bien. De toute façon, il pue sa mère. T'as dit quoi là? Non, je disais c'est ouais, ce qui fait bon. Bon, les potes, on est parti. Aujourd'hui, test de la config de Xantares. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, je vais vous résumer qui est Monsieur Xantares. Pour ceux qui connaissent pas et qui vivent éventuellement dans une petite caverne au fin fond de la forêt de sa mère. Non, plus sérieusement, même moi, je connaissais pas Xantares. Enfin, pas plus que ça. On connaît presque tous Xantares justement à cause du fait que tout le monde met le tag Xantares Pic en ce moment. Et justement, ce tag-là, il est pas pour rien. Xantares est un joueur professionnel. Il joue donc chez Big. C'est un joueur qui est notamment connu pour ses pics incroyables. Genre, le mec, il fait des pics, il va décaler, il va te foudroyer l'anus à une vitesse incroyable. Il a une grosse fanbase sur le jeu, ils mettent tous Xantares Pic, etc, etc. Et voilà, je vais pas plus vous détailler le joueur, il y a pas vraiment grand chose à dire sur son cas, enfin, je pourrais combler un petit peu, mais j'ai pas grand chose de plus à vous dire. J'étais en IMBOZ, on va pas rester en IMBOZ cette fois-ci, on va lancer directement un compétitif. Par la même occasion, ils ont rajouté un mode Trusted, je sais pas quoi, ça me casse les burnes ce truc-là. Je comprends rien à cette option, ça me fait plus chier qu'autre chose. Mais voilà, on va partir sur une petite game, je vais laisser toutes les maps sauf Inferno, qui est la pire map du jeu. Voilà, regardez, je vais approuver ta sœur si tu continues. Et nous, on va se positionner sur la petite chaise et on va se préparer à jouer. Voilà, comme ça on est bien là, hein. Donc voilà les BG, on est parti, on va se lancer une petite enquête pour aller tester sa petite config. On va aller tester la bête, hein. Donc je vais en profiter pour parler un peu de ses settings. Il joue en 1024 x 768. Le monsieur a 2206 pour 400 DPI je crois. Il a le zoom sensitivity, c'est à dire quand tu vas scope à la SG ou à la WAP, ça va monter le zoom parce qu'il joue en 1.1. Donc sa sensi à la WAP quand il vise est plus élevé que sa sensi basique. Je sais pas pourquoi il fait ça. Et il joue avec l'accélération souris. Est-ce qu'on en parle? Non, vous préférez qu'on parle du fait que j'ai coupé ma barbe, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ta gueule. Ça va chier. Donc bien évidemment, je vais pas découvrir avec vous le view model. Le view model, je l'ai déjà vu, mais je vais vous en parler plus en détail une fois qu'on sera en game. C'est un view model. J'ai jamais vu ça de ma vie. Faut arrêter de jouer des view models comme ça en fait. Comment on peut être pro jouer des view models comme ça? Regarde comment on dirait qu'il y a un Twix, frère. On dirait pas qu'il y a un USP, on dirait qu'il y a un Twix. Voilà, je vais mettre à l'abri pour vous montrer un petit peu. Ici, donc on a le couteau. On le voit pas très bien. Heureusement que c'est un 48, il est petit, mais dès qu'on se déplace, le mec a le Boblower AMT au maximum. Le Boblower AMT, c'est ce qui va vous faire bouger l'arme, simplement. Oh, le postillon, le Covid dans l'écran, là. My big Covid. Après, en ce qui concerne sa luminosité, lui, il est à 100%. Voilà, 1024 x 768, j'ai mis les mêmes settings que lui. Ça, c'est son crosshair. Crosshair dégoûtant. Enfin, je vais pas dire crosshair dégoûtant, il en faut pour tous les goûts, toutes les saveurs. Mais moi, c'est clairement pas mon style de crosshair. Il est fin, ok. C'est pas vraiment dérangeant le fait qu'il joue un crosshair fin. Ce qui me dérange, c'est plus le fait qu'il faut aussi espacer son crosshair. Il tire sur qui, lui? Oh non, mais pourquoi il a l'arme à ramassage qui est activée, ce chien? Jouer des trucs comme ça là? Quelle indignité, putain. Voilà, allez, on va aller tester un petit peu tout ça. On va s'appeler Xantares. Et pourquoi on est tous bleus là sur la minimap? On est tous la même couleur, frère. Comment je fais pour savoir qui est qui? Oh, vas-y, gros, c'est quoi ces settings à la con là? Allez, c'est parti, gun round overpass, bismillah, comme on dit chez moi. Je suis absolument pas fan du crosshair, je vais vraiment avoir du mal à viser avec, je pense. Ok, il a dit que la bombe était dans le toilette. On va voir ça. Un mort. Oh, il m'a sauvé la vie, c'est un monstre. Oh la vache que j'ai pris! Mais pourquoi j'ai glissé là? On se fait défoyer, je vais jouer Deagle en B. Après j'ai bloqué mes FPS, je sais pas combien d'FPS j'aurai en temps normal. Et puis je suis repassé sous Windows 8 pour gratter des paires. Voilà, petit conseil pour ceux qui ont un peu de lag sur les PC et qui jouent à CS, si vous voulez gratter quelques FPS, vous pouvez jouer sur Windows 8. Moi je gratte pas mal d'FPS, j'ai une grosse config. Mais sur des petites configs, genre si vous avez 50 FPS, vous pourrez peut-être grimper à 60-75 dans ces eaux-là, je pense. N'hésitez pas. Point con. Il m'a vu, hein. Go banane. Yeah, hey. Ça fait beaucoup là, non? Oh non, mais frère, c'est grave là! 3 nades, la putain de ta mère, wesh! Et attendez, du coup, j'ai pas désactivé l'accélération souris. Star Fooding. C'est bon, c'est désactivé. Oh, je me disais, la sensi, elle est bizarre. Oh, je joue avec l'accélération souris. Je désactive tout de suite, hein. Je vous le dis, moi, il y a hors de question que je joue avec ça. Je sais pas comment Xantares fait pour jouer avec ça. Sans doute le fait qu'il ait pas de mère, mais moi, je... Désolé, j'ai une mère. Ah ouais, là, c'est mieux. Putain, merci, la souris, elle fait ce que je lui demande, quoi. Putain de merde. Bon, les potes, quand cette vidéo sortira, sachez qu'il y a toujours un giveaway sur Instagram. N'hésitez pas à y aller. Giveaway Huntsman à 100€ sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller checker ça, les potes. Par la même occasion, pensez à vous abonner. Je vous le répéterai plusieurs fois dans la vidéo, mais pensez à vous abonner, les potes. On fait plusieurs tests de config ici. Si vous appréciez cette vidéo, sachez qu'il y en aura plusieurs autres de ce style. J'essaierai d'avoir des invités plus souvent, mais je veux pas non plus trop déranger les gens. Mais voilà, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important, on est bientôt 40 000. J'aimerais atteindre les 40 000 avant de partir en vacances, ça serait vraiment un truc de ouf.
No one is cheating, man. Wake up. C'est un français en face. Par contre, il a beaucoup de moins rep. New Axe, 600 heures, cheater, etc. Ah, c'est pas terrible. Bon, bref, même si c'est un tricheur, de toute façon, on s'en bat les couilles. On est là pour gagner. 0-4. J'avais pas vu ce détail. J'avais pas bien vu. Mais c'est quoi ce fils de pute qui flash à l'aveugle? Je suis nul à chier. Ce crosshair, il est horrible. Il est horrible, son crosshair. Franchement, ça le fait ou pas comme ça? Je vais relaisser pousser très vite. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Grosse erreur de débutant. Voilà. Je tenais à m'excuser auprès de ma communauté pour avoir fait ça. One long, AVP. Yeah, sure. C'est des menteurs. Enfin, ça triche, ça c'est fait. Enfin, je vais pas aller faire des tests de config en face it, sérieusement, quoi. Pour pouvoir jouer contre des gens legit. Merde, ils font chier. Fuck, je suis tombé dans quoi, frère? C'est la chicha, là. J'aimerais bien faire une game à minimum convenable, en fait. Enfin, je vais pas vous poster une game où on se fait prendre 16-0 encore. Je vais faire des 16-0 à chaque game, frère. C'est bon. Hey, long one. Ok. Last is long, yeah, EVP. Can you boost me here? Thank you. Voilà, là on teste la bête. Putain, là je les ai mis les frères. Là c'était mignon. Là c'était, il y avait une petite saveur derrière. On sent que c'était épicé. On sent qu'il y avait un petit goût de jus de bagarre. Allez, en plus, je joue pas beaucoup en ce moment. C'est pour ça aussi que je suis con. Je joue pas beaucoup au jeu. C'est normal après que je suis une merguez. Je vais me replacer. Quel préfère, je prends. Je pensais que j'allais l'avoir, je suis lâché. Nice! Can you take my hop, please? Je vous ai dit que j'allais vous le rappeler, alors abonnez-vous! Abonnez-vous! Allez, ça remonte là, je sens que ça sent bon là. Mais pourquoi je suis tombé? Bah ouais, mais c'est vraiment un jeu de merde! Pourquoi je suis tombé? J'ai pas bougé! Quel jeu de merde, hein! Normalement, j'aurais dû être posé sur le rebord et le tuer. Non, mon bonhomme, il est tombé, ce gros lard là. Je suis sûr, il a une couille plus grosse que l'autre, ça fait contrepoids, frère. Bomb construction. Je sais pas, soit ils sont chauds, soit ils trahirent leur mère, ou soit ils utilisent des logiciels accompagnés de Rick sauté au curry. J'ai jamais vu une game aussi longue de ma vie. C'est incroyable. Vraiment, ce crosshair là, si je pouvais le resserrer un peu, ça serait 100 fois mieux pour viser, sérieusement. Il est tellement écarté. Même le Fiacaro Knar est moins écarté que ça. Et pourtant, il se fait défourailler, hein. J'arrive pas à viser ce crosshair. Nice. Je sais pas viser qu'un crosshair comme ça, moi. He's planting gay. Oh, je vais juste spray, je peux pas faire tapping avec un crosshair pareil. Ça va être tellement compliqué en terreau. Bon, du coup, Kevlar, Mac-10 et ça coupe. Flash A. Nickel, je ne garantis pas la véracité de cette smoke, mais je crois qu'une smoke existe. Oh, je l'ai hit! Il était vraiment là! J'ai mis Naka, normalement c'est bon. Il aurait volé la WAP, j'aurais mis un petit coup de dos dans les fesses là. Pour le réveiller un petit peu, le petit russe là. Je vais voir une smoke en club, regarde, hop, tu te mets là. Tu vises la fleur, tu vises là, tu lances là. Ah, voilà, c'est là qu'elle a atterri la smoke, magnifique. On m'appelle le smoker fou, l'homme à la chicha dorée. Le chicheur en club. Mais casse-toi. Ah, il a la WAP, putain, je suis bête. J'aurais pas dû repick, je suis bête. C'est moi qui suis con là par contre. Je veux bien essayer de rester respectable avec ce genre de mate, mais c'est très compliqué pour moi honnêtement. Ils font pas d'efforts, c'est très très tendu. Regardez-moi la smoke magnifique là. Elle s'appelle la smoke en club parce qu'elle est pratiquée en club celle-ci. Au Paris Saint-Germain notamment, il la pratique. Voilà, vous avez apprécié ou pas? Je vais prendre le last, bouge pas.
Mais c'était à moi, frère. J'étais égalité, franchement, je prends. Il y a moyen que je rank up suprême là-dessus. Après, je joue vraiment plus du tout en MM. Je joue plus à CS tout court en ce moment. Pour être honnête avec vous, je joue très peu à CS. Je joue plus à rien, en fait. Je joue plus à rien. Je fais beaucoup de muscu en ce moment. J'essaie de récupérer un physique convenable pour les vacances. Et voilà, hein. je tourne des vidéos plutôt que de jouer. En fait. Là, je joue parce que, ben, faut. Eh, vas-y, tu poses trop de questions, toi, là, derrière. Là, tu vois, on se frappe. Hop, petit nade à baisser. Mais c'est impossible de tap-tap avec ce crosshair, c'est vraiment impossible. Je vous promets que c'est pas possible. Bon, les derniers rounds, si on peut prendre l'égalité, ce serait incroyable. Dead under. Là, c'était un Xantares pick. Là, j'étais dans le Xantares pick, tu vois. J'ai des cales, bim, 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 briché. J'ai mis une balayette et je suis reparti. C'est ça, les Xantares pick. Si tu mets une balayette, genre le mec, il faut pas qu'il te voit sortir, tu vois. What the... What the fuck is this? Wesh, ils nous en push de partout, mais non! Mais quelle indignité, putain! Des silvers, frère! C'est la honte! Un chétan en bécane, frère! Bon, et ben on va faire un petit débrief de cette magnifique config. Faux, j'ai jamais joué une config aussi moisie. Donc voilà, les potes, je vais vous dire simplement ce que moi j'ai pensé de cette config. 1024x768, 20 sur 20, une des meilleures résolutions 4 tiers actuelles. Stretched, bien évidemment. 506, du 206 pour 400 DPI, c'est peut-être un peu... Bah non, c'est moyen, en fait c'est bien, c'est moyen, c'est bien. Je confondais avec 800 DPI, c'est très bien. Le vieux modèle est dégoûtant. Le crosshair est littéralement écœurant. J'ai jamais vu un crosshair aussi moisi. C'est impossible d'aller chercher une tête avec un crosshair aussi peu précis. Après, en ce qui concerne la luminosité, etc., tout est bon. Moi, cette config, si je devrais lui mettre une note sur 10, je l'accorderais un solide 5 sur 10. Voilà, je mets la moyenne juste pour la résolution, sinon le reste est pitoyable. Donc je respecte encore plus le joueur qui utilise cette config parce que pour être fort avec une config pareille, il faut être sacrément balèze. Et voilà les potes, on a fini le test de la config. Ce que moi là je vais vous proposer les potes, c'est simplement de vous abonner. Pensez à activer la cloche de notification. Lâchez votre abonnement, c'est vraiment important. J'aimerais bien qu'on atteigne les 40 000 le plus vite possible. Je vais forcer avec ça, je suis désolé, mais c'est important. On a gagné 1500 abonnés là en très peu de temps, c'était trop bien. Et je veux que ça continue comme ça. Donc voilà les potes, c'était Pimousse. Si vous avez des idées pour le prochain test de config, faites-le moi savoir en commentaire. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine. Ciao tout le monde.